Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour ouvrir le numéro 4 de notre calendrier de l'Avent? J'ai l'impression que c'est un tampon qui nous attend aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va être dans le thème de l'hiver et de Noël? Ce serait plutôt sympa. Donc, ça fait plutôt printemps, je trouve. Printemps-été. C'est très mignon. Faut faire une petite compo également. Alors, on va s'essayer ça de suite ensemble. Je vais récupérer, j'avais gardé de côté le premier essai de tampon. Comme ça, si on a d'autres tampons, j'essaie de tout faire sur cette feuille pour comme ça on pourra suivre un petit peu les différents modèles qu'on a eu. Donc je sors, excusez-moi pour le bruit que ça génère. Je sors ce qu'il faut pour tamponner. Donc je vais placer mon tampon sur la plaque acrylique. Je vais y mettre du Memento pour ensuite coloriser au feutre à alcool. Sinon j'utilise de la Versafine. Mais là, on va prendre la Memento. J'encre mon tampon. Et on tamponne. Je trouve très mignon ce petit tampon. Avec le banc et les petits arbres derrière. Je trouve ça très sympa. Ils sont très beaux leurs tampons. J'aime beaucoup. Très sympa. Donc voilà, comme on l'a remarqué, donc du coup, surtout dans la vidéo précédente. Ce ne sont pas que des choses sur le thème de l'hiver ou de Noël. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que comme ça permet d'élargir un petit peu tout ce qu'on peut déjà avoir pour d'autres occasions. Parce que 24 petits éléments que de Noël, je pense que ça ferait peut-être beaucoup en effet. On ne se servirait pas forcément de tout. Donc je trouve ça plutôt sympa en fait de varier. Ça j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu l'école. Je sais pas pourquoi, quand la maîtresse, on travaillait bien, faisait un petit tampon dans le cahier qu'on pouvait colorier après. Ce style de dessin, ça me fait penser à l'enfance, à l'école, j'aime beaucoup. Je trouve ça très mignon et ça donne envie de les coloriser. Ils sont très très sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces petits tampons, de ces dailles qu'on ouvre chaque jour. Moi je trouve ça trop bien, je suis trop contente tous les jours d'ouvrir ma petite surprise. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à demain pour le numéro 5. En attendant, passez une bonne journée. Ciao, ciao!